Vous n'étiez pas au courant du tout qu'il était malade? Non, j'avais 15 ans la dernière fois que je l'ai vu. Passe me voir un de ces jours à Anvers, si tu veux. On est cousins, quoi, merde. Vous, ça marche plutôt bien en ce moment. Le diamant, c'est juste une pierre transparente, tu vois. On décide que ce caillou vaut cher et ça crée de la richesse. Merci de m'accueillir. Remercie mon fils, c'est lui qui t'accueille. T'es là souvent, toi? Je suis ici, en fait. Tu es le fils de Victor? Ça t'intéresse, le diamant? Ouais. Ce qui fait la différence, c'est l'œil. Qu'est-ce que tu en es? Je crois pas que ce soit un diamant, ça. Ne fais jamais plus quelque chose derrière mon dos, sinon te dégage. Tu n'es pas chez toi ici. L'histoire de Victor Hulman, né dans une famille de diamantaires à Anvers, en Belgique. Sa main a été broyée par une machine, devant son frère qui n'a pas bougé pour l'aider. Et là, là, là et là, c'est les caméras. Il y en a pour combien? Il a parlé de 20 millions. Je sais qui fait mal, je sais qui paye, je sais qui souffre. Faut que tu sois clair, calme, précis.